un projet, un vaste projet qui valorisera donc la ville d'Abomey, qui valorisera l'ensemble de la région du plateau d'Abomey, qui valorisera évidemment l'histoire de nos rois et de nos Amazones. La construction du musée d'Abomey, le musée de l'épopée des rois et des Amazones, et celui qui traduit un peu notre histoire, c'est un effort qui est fait pour d'abord restituer à notre pays sa mémoire. C'est un effort qui est fait pour que notre histoire soit présentée sous un aspect plus valorisant. C'est une démarche qui participe justement donc de ce que j'appelle tout à l'heure l'affinement de l'offre touristique. Nous avons ici au Bénin un concentré d'Afrique et ce concentré d'Afrique se demande à être découvert et c'est à travers évidemment ce projet que nous développons ce tourisme qui va contribuer à infuser de la richesse, à infuser du développement auprès des populations. Le projet de mise en valeur du site des Palais Royaux d'Abomey est emblématique pour l'AFD à divers titres. D'abord, c'est un projet qui a été voulu et qui est porté par les autorités béninoises au sein d'une politique touristique et patrimoniale cohérente. Ensuite, les autorités ont demandé l'aide de la France, à la fois sous forme d'expertise, qui est apportée par notre nouvelle filiale Expertise France, et du point de vue financier, avec un financement de 35 millions d'euros sous forme de dons et de prêts apportés par l'AFD elle-même. Il faut saluer l'exemplarité de la relation entre le Bénin et la France dans ce domaine précis. Les concours que l'Agence française de développement apporte à notre pays dans son désir de mettre en place une nouvelle offre culturelle partie de l'offre touristique, il faut saluer son exemplarité, saluer aussi le courage des dirigeants de ces pays. Donc nous avons véritablement là un exemple qui n'est plus théorique de cette coopération nouvelle, de cette coopération concrète, de cette coopération muséale, patrimoniale et culturelle.